Bonjour à tous, à ceux qui sont en salle et puis à tous ceux qui sont en ligne et qui ont dépassé, qui ont vaincu la version de ce titre un peu repoussoir, Bâtir une France de la transition en excédent commercial. J'avoue qu'à posteriori, je me suis dit que ça renifle le profiteur de guerre. Comment faire du blé sur une catastrophe? Il y a quelque chose qui est un peu étrange et qui la vision des économistes qui sont obsédés finalement par le résultat financier, l'équilibre financier de tout ça. Et pourtant, non. C'était volontaire, cette formulation. C'était une manière de nous imposer l'obligation de réfléchir véritablement la base, les structures productives. Si l'on croit à la transition, si l'on croit à la bifurcation, alors, et on a parlé de planification ce matin, alors il nous faut penser cette base productive et pas simplement penser que les signaux prix vont tout faire. C'est juste quelques données de cadrage, mais je pense qu'il faut déjà avoir en tête, parce que ce mot bifurcation est très présent. Flûte, qu'est-ce que je dois faire? Pardon? Non, mais je suis plus en plein écran, là, pardon. Je ne suis pas sur le bon PowerPoint. Non, c'est au cœur de tout, pardon. J'ai juste besoin d'un petit graphique au démarrage. Mais c'est pas celui-là. Pardon ? Ah, c'est à moi, c'est moi qui ai ce pouvoir. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon slide. Hein. C'est pas la bonne série. Voilà. Là, c'est bon ? Désolé. Bon, je voulais absolument que vous voyiez ça, parce qu'on parle de bifurcation depuis ce matin. On parle de bifurcation, je voudrais montrer quand même l'ampleur du chantier, et puis quasi, peut-être cette chose enfin, qui paraît à nos yeux, à ce stade, impossible. Quelles sont les tendances ? Nous nous sommes fixés, alors évidemment, il n'y a pas que ça dans la bifurcation, mais il y a cet indicateur qui est la neutralité carbone. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'ai mis à gauche le cas français. Le cas français, ça veut dire déjà changer beaucoup de choses par rapport à la tendance, beaucoup de choses. Mais regardez à échelle mondiale ce que ça impose. On demande aujourd'hui à un paquebot de faire un virage serré. On raisonne l'économie en ignorant tout d'un coup ses structures, ses inerties, la dépendance aux sentiers de croissance, les lobbies, les intérêts, les contournements par rapport aux stratégies. Vous mettez des signaux prix, mais des entreprises ont beaucoup d'autres parades que d'investir dans des énergies bas carbone pour se détourner de tout ça. Donc je voulais juste déjà dire cela, mesurer la profondeur de ce qui est demandé, quelque chose de quasiment impossible, je l'ai dit. On demande au Titanic qui voit l'iceberg de prendre un virage serré. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut prendre les choses au sérieux et regarder véritablement ce que l'on entend derrière ça. Bon, j'ai rajouté un deuxième graphique, mais là aussi, qui peut paraître anodin, mais en termes de consommation d'énergie, regardez la tendance jusqu'à aujourd'hui. Et là, tout d'un coup, arrêt brutal. On va doubler la croissance à horizon 2050, ce qui est déjà réduire énormément la tendance de la croissance par rapport à aujourd'hui. Et tout s'arrête, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire un bond soudain en termes d'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on l'a senti ce matin, c'est-à-dire au fond, il va falloir agir sur tous les fronts, et je prends un chiffrage qui est contesté, mais ce n'est pas grave, qui est celui de l'AIE, qui essaye d'imaginer un sentier zéro carbone à horizon 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire baisser la consommation d'énergie de 7%, alors qu'elle augmente aujourd'hui considérablement. Ça veut dire multiplier par 3 l'efficacité énergétique. Ça veut dire doubler la part de l'électricité et doubler la capacité électrique. Ça veut dire multiplier par 9 la capacité du renouvelable. Ça veut dire multiplier par 2 la capacité du nucléaire. Ça veut dire baisser de 90% la capacité charbon, de 75% le pétrole, etc. Donc vous avez des chambardements extrêmement profonds. Et là, je ne parle que de la sphère énergétique. Et derrière cela, ça veut dire, en fond, un appareil productif qui ne va pas simplement innover, trouver les petites innovations. Non, c'est véritablement une remise en cause extrêmement profonde de tout et en profondeur.
et ça veut dire aussi, entre parenthèses aussi, des marchés en perspective pour un pays qui croit à la transition et à la bifurcation. C'est-à-dire que si on y croit, aujourd'hui, on crée ses capacités et on se met dans les filières qui sont compatibles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Et j'étais sensible ce matin, au fond, ce que j'entendais et me confirme mon impression, c'est qu'au fond, on mène un pilotage par la demande de la transition. Quand on dit faire des signaux prix, ça veut dire c'est le consommateur in fine qui va départager et qui va modifier son comportement. Quand on parle de plan d'investissement, pareil, investissement, on pense offre. Mais non, l'investissement, c'est un poste de demande. On consomme des technologies, on fait de l'isolation thermique massivement, on investit dans le véhicule électrique, etc. Mais derrière ça, vous drainez de la demande. Le grand absent de ça, à part le mot planification qui a été prononcé ce matin, c'est la politique industrielle. C'est-à-dire quelle spécialisation on veut, quelle filière on veut bâtir, quelle géographie, quel aménagement du territoire. Carbone 4 nous dit que c'est trois quarts du problème. Trois quarts du problème et dans l'épaisseur des structures et pas simplement dans les signaux prix. Et donc c'est véritablement, il va falloir mettre un contenu. Est-ce que, quelle technologie veut maîtriser la France, sur quelle filière elle veut bâtir des avantages. Il y a là un enjeu à prendre très au sérieux et donc je reviens sur ce titre rébarbatif, faire un excédent commercial, c'est pas un but en soi, c'est juste dire... Comment se fait-il aujourd'hui qu'on mène des politiques de demande et qu'on ne se demande jamais à qui profitent toutes ces politiques? D'où venons, est-ce que nous sommes autonomes dans cette transition écologique? En attendant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, ce qui se passe, en fait, c'est que le monde vit sa vie sous tutelle de fonds d'investissement, etc. Et je dis les choses très rapidement. Le cours de l'histoire se fait sous nos yeux, indépendamment des mesures discrétionnaires des États. Donc évidemment, ce sont les grands fonds, on en avait parlé lors de la dernière session des printemps de l'économie, ce sont BlackRock, Vanguard, Fidelity qui ont la main sur les grandes options d'investissement et de financement de l'économie, pas directement, hein, ce sont des fonds passifs, mais quelque part l'argent est guidé par cela. Et regardez en fait, finalement les cours boursiers depuis des années nous disent quel est l'avenir, ce qui est en train de s'écrire, ce qui est en train de s'écrire. C'est effectivement c'est le triomphe du numérique, dont les cours ont été multipliés par plus de 6 depuis les derniers pics de 2007, avant la précédente crise. Enfin, vous avez trois pivots de l'économie fondamentaux qui sont le commerce en ligne, qui sont le secteur de la santé et qui sont le numérique. Le problème, et du côté des énergies fossiles, vous voyez, ce n'est pas une énorme catastrophe. Le marché, et d'ailleurs tous les plans d'investissement, quand vous regardez les grands énergéticiens, en gros, aujourd'hui, ils misent sur le maintien du socle carbone, pétrole et gaz, et investissement à la marge sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire rien dans ce qui est programmé aujourd'hui n'est compatible avec une régression en niveau des émissions carbone. Et donc ça, c'est inscrit dans le marché, et c'est le cours des choses. Ce qui se développe aujourd'hui, c'est l'économie digitale qui explose avec des multiples absolument considérables et boursiers, mais en termes de croissance, avec un bilan carbone, en un mot, le web, en 2025, ça sera l'équivalent en termes d'émissions que tout le parc automobile et des deux roues motorisées à l'échelle mondiale. C'est-à-dire on construit un substitut à nos sources d'émissions, même si demain on bascule sur l'électrique. Donc cette économie, elle tourne, elle va dans cette direction, spontanément. Et au fond, qu'est-ce qui prospère dans nos économies? Ben, c'est tous les secteurs qui vivent sur l'entropie du système. C'est-à-dire, évidemment, tout va aller très bien pour le secteur de la santé, du sanitaire, du vieillissement, etc. Tous ceux qui récupèrent nos dérèglements et le coût de ce système. Donc voilà, ça, c'est ce qui est en marche aujourd'hui. Et c'est là, j'en viens, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est tout l'objet de cette session, très franco-français, mais ne vous arrêtez pas à ça. C'est au fond, la France croit à la transition. Que fait-elle? De quelles capacités dispose-t-elle? Est-ce qu'elle est capable de bâtir, d'investir sur les technologies qui lui permettent de prendre ce mouvement de tous ces défis que j'ai énumérés au début, qui sont considérables? Et comment faire? Comment designer cette politique industrielle? Alors, je passe tout de suite la parole à Philippe. Philippe, qui est directeur d'études à Xerfi et qui a justement sondé, qui est allé creuser dans nos multiples études à Xerfi pour justement se demander mais quelles sont les stratégies et quelles sont les capacités aujourd'hui que nous mettons en place sur le territoire français pour affronter cette bifurcation.
Bonjour et merci Olivier. Je vais prendre le pour, ah oui, pour les slides, la zapette. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, moi, mon objectif est relativement simple. On va essayer de cerner ensemble l'outil de production français autour de la transition, verte. Donc, je vais vous parler d'entreprise. Je ne vais pas mettre un coup de projecteur sur la ribambelle de secteurs et de filières qui gravitent autour de la transition énergétique, mais je vais mettre un coup de projecteur sur certains secteurs. Trois slides en préambule. Olivier Passard, on a un peu parlé. La neutralité carbone en 2050, la décarbonation, ça ne suffit pas. On parle beaucoup de décarboner le mix énergétique, de verdir la production d'électricité. On oublie souvent de parler de sobriété dans la production. Dans la production de choses, de matières, de biens de consommation, de biens d'équipement. Sobriété dans la consommation, peut-être manger moins de viande, par exemple. Et puis, sobriété aussi dans les... Alors, pas dans les importations directement, mais il faut savoir que les importations que nous consommons en France, ce sont souvent des biens importés et que ces importations ont un contenu en CO2 qu'il faut prendre en compte. Donc, moi, je vais beaucoup parler aujourd'hui de décarbonation du mix énergétique, mais n'oublions pas qu'il y a cette question de la sobriété qui est aussi extrêmement importante pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Un point très rapide aussi en préambule sur la programmation pluriannuelle de l'énergie sur la période 2019-2023. Ce sont grosso modo les objectifs que la France s'est imposés pour se mettre dans la trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. Là, on a des objectifs jusqu'en 2028. Alors, on parle des énergies renouvelables, une multiplication par deux de la puissance installée par rapport à 2017, je crois. Mon retour slide est un peu petit. Je vieillis. Je crois que c'était par rapport à 2017. Multiplication par de la puissance installée. Il faut savoir, je suis allé sonder mes collègues, il y a de fortes chances que la France n'atteigne pas cet objectif de multiplication par deux de la puissance installée en termes de renouvelables. En revanche, on est sur une très forte croissance actuellement des capacités, en termes de capacité de production installée, que ce soit dans l'éolien, le solaire, la méthanisation. La méthanisation, on risque même d'être au-dessus des objectifs, c'est un cap un petit peu particulier. Sur le reste des énergies renouvelables, on est un petit peu en dessous, mais on est quand même sur une très très forte croissance. Consommation d'énergie, je veux le dire un mot aussi. Je vous ai parlé de sobriété. Ça renvoie. La PPE prévoit une diminution de la consommation d'énergie. Ce que ne fait pas apparaître cette slide, c'est que la consommation d'électricité en France, elle, va très certainement augmenter au cours des prochaines années parce que les usages, Olivier en a parlé, parce que les usages numériques vont s'accroître, parce que le véhicule électrique va se développer, parce que les filières, la filière de l'hydrogène en France, l'hydrogène vert en France, va à un moment donné, au-delà de 2030, se développer et que pour produire de l'hydrogène vert, il faut de l'électricité, il faut faire l'électrolyse de l'eau. Et ça, c'est extrêmement consommateur en électricité. Et puis, la part du nucléaire, qui elle aussi est censée se réduire. Alors, le nucléaire, on est un petit peu schizophrénique en France parce que le nucléaire contribue est peu émetteur de CO2, contribue d'une certaine manière à réduire les émissions de CO2 pour des questions... essentiellement politique, on réduit la part du nucléaire en France. Réduire la part du nucléaire ne veut pas dire diminuer la production d'énergie nucléaire. Derrière la diminution de la part du nucléaire, on a une augmentation de la part des énergies renouvelables, je l'ai dit. On va avoir une augmentation de la consommation d'électricité en France. Mais ça, pour rester sur les 50%, cela sous-entend de prolonger les réacteurs nucléaires, d'un certain nombre de réacteurs nucléaires, même si des centrales vont fermer, prolongation de réacteurs et surtout création de réacteurs pour rester à 50%. Ça, on l'oublie souvent de le dire, mais on est, pour en France en tout cas, au tout début d'un nouvel âge d'or du nucléaire. Troisième slide en préambule pour cerner un petit peu cet outil de production autour de la transition verte. Je vais vous parler un petit peu de filières. On a les nouvelles et les anciennes filières de la transition énergétique. Les nouvelles, c'est tout ce qui gravite autour des énergies renouvelables, le parc éolien, le photovoltaïque, le solaire thermique, le biogaz, la méthanisation, etc. Les smart grids, les filières à hydrogène qui vont prendre un petit peu plus de temps à se développer, mais enfin qui sont en tout cas dans les feuilles de route. Le véhicule électrique, bien entendu. Et puis, on a
pas tous ces actes de sobriété de la part des filières industrielles, je pense par exemple à la chimie, l'interdiction de vendre en France des sacs en plastique oblige les groupes de la chimie à produire des plastiques biodégradables ou recyclables. L'automobile et plus globalement le transport font aussi de gros efforts pour prendre cette mutation énergétique, par exemple en développant des services de mobilité. Le BTP aussi, parce que des matériaux de construction recyclables, parce que le développement de l'économie circulaire pour recycler les énormes tonnages de déchets de chantier. Là aussi, il y a toute une réflexion qui se met en branle pour améliorer, pour construire ces filières, industrielles. Mais ce sont des filières qui, eux, là, sont en mutation, puisque je parle bien déjà de filières industrielles qui doivent, là, se transformer. Alors chez Xerfi, on nous a appris à commencer par les conclusions. J'ai deux grandes conclusions à vous donner maintenant, et puis je vais étayer mon argumentation, mes deux conclusions par des études de cas. Première conclusion, l'outil de production français de la transition verte, il est focalisé sur les services. C'était déjà le cas il y a 10 ou 15 ans, c'est encore le cas actuellement. Ça veut dire qu'en France, nous n'avons pas ou peu d'outils de production industrielle. Nous produisons peu d'éoliennes, nous produisons peu ou pas de cellules photovoltaïques. C'est ce que je veux vous dire. En revanche, on a un véritable savoir-faire et on a un outil de production, mais focalisé sur les services, dans le domaine de l'ingénierie, de l'assemblage, de parcs éoliens par exemple, de construction de parcs éoliens et de centrales photovoltaïques, dans les services de maintenance. Et puis on a aussi tout un savoir-faire, j'en parlerai très peu aujourd'hui, mais côté financement, puisqu'on finance ou des entreprises financent le développement de parcs éoliens, de centrales photovoltaïques. Donc, importance, on a une hypertrophie en France de ces services et une quasi-absence, ou en tout cas un outil industriel très étroit sur donc, l'amont des chaînes de valeur. Et ma deuxième conclusion importante, c'est la place que prennent aujourd'hui les multinationales dans cette transition verte. Il y a 10 ou 15 ans, on avait dans ces grandes filières vertes, énergie renouvelable notamment, des acteurs de petite ou moyenne taille qui se développaient, qui venaient soit de l'étranger, soit de France, et puis qui s'implantaient. Maintenant, depuis quelques années, on a les multinationales, les groupes du CAC 40 pour faire simple, qui investissent massivement dans les énergies renouvelables et qui structurent ces filières, évidemment qui structurent en France ces filières sur l'aval des chaînes de valeur côté service. Et puis on a aussi les financeurs qu'il ne faut pas oublier, qui sont aussi des gros animateurs, c'est important, les financeurs, les investisseurs. Ce sont des investisseurs purement financiers comme des gestionnaires d'actifs, mais ce sont aussi des banques qui peuvent faire des prêts pour des parcs éoliens ou des centrales. Et puis l'État, ne l'oublions pas aussi, qui finance par un certain nombre de dispositifs les énergies renouvelables et plus globalement les filières de la transition énergétique. Alors, on va balayer un certain nombre de secteurs. Je vais être très rapide. Là, vous avez les principaux groupes mondiaux présents dans les énergies renouvelables. Évidemment, la France est absente. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un certain nombre de ces groupes internationaux qui n'ont donc pas d'outils de production en France, mais qui ont une présence au niveau des services. C'est le cas de Vestas, qui est le numéro 1 de l'éolien en France. C'est le cas de General Electric Renewable. Et c'est le cas aussi de Nordex, qui est un Allemand, qui a des parcs éoliens, qui construit ses parcs éoliens, qui construit les éoliennes en Allemagne, dans les pays d'Europe de l'Est, qui les importe en France, mais qui a des équipes d'installation et de maintenance sur le territoire. Mais voilà, la France, en tout cas, et ni les multinationales françaises ne sont absentes du top 10 des fabricants d'équipements renouvelables. Ici, ce sont le photovoltaïque, ce sont les principaux développeurs et exploitants en France et dans le monde de centrales photovoltaïques. Je parle bien de développeurs et d'exploitants, donc je suis bien sur les services. En France, on a une surreprésentation des acteurs français. On voit notamment des acteurs comme Engie, ex-GDF et Total qui sont en bonne place et qui sont des principaux animateurs de ce marché en France. En revanche, dans le monde, on a plutôt des acteurs chinois, italiens, qui sont les grands exploitants de parcs photovoltaïques. Et on a Engie qui arrive en sixième position au niveau mondial.
Une deuxième étude de cas, c'est sur les batteries pour véhicules électriques. Là, je pense que tout le monde le sait certainement, les fabricants français n'existent quasiment pas au niveau mondial. C'est un segment de marché qui est dominé par les acteurs asiatiques, coréens, chinois et japonais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet. Il y a quelques projets qui vont émerger ou qui sont en train d'émerger en France. Là, je parle bien d'industriels qui vont construire des usines en France pour produire des batteries pour véhicules électriques. Voilà, vous les voyez à l'écran. Ce sont trois entreprises qui sont relativement connues, notamment celle de gauche. Je suis désolé, l'écran est trop petit pour moi. Et ce sont des acteurs qui ont la particularité souvent d'être associés, soit d'un point de vue capitalistique, soit par des contrats de partenariat avec des constructeurs automobiles. C'est le cas de l'entreprise de gauche qui s'est alliée notamment à Daimler et à Renault et à Total. Une autre étude de cas, là c'est un petit peu pour voir la présence des multinationales dans un certain nombre de secteurs. Donc là, je me suis focalisé encore une fois sur les groupes du CAC 40. Là on voit que les énergéticiens en France, c'est le cas notamment donc d'Engie, sont présents sur une douzaine de secteurs verts. De secteurs verts, je mets tous les renouvelables dedans, je mets les filières à hydrogène, je mets les batteries pour véhicules électriques, je mets aussi les bornes de recharge pour recharger ces véhicules électriques, je mets aussi les services d'efficacité énergétique, puisque on le voit, ce sont les histogrammes en gris. Nous avons des groupes de BTP aussi qui sont très investis, alors moins peut-être que les énergéticiens, mais les énergéticiens ont à verdir, notamment pour Total, ont à verdir leur mix énergétique. Pour les BTPistes, la transition elle est peut-être un petit peu moins violente, mais en tout cas les BTPistes sont très présents dans ces filières vertes, notamment par le biais des services d'efficacité énergétique. C'est le cas aussi des constructeurs auto par le biais des véhicules électriques. Toujours les multinationales, c'est pour prolonger ce que je disais auparavant, ces multinationales pour faire leur transition énergétique, elles font soit de la croissance interne, elles investissent, ou elles font des partenariats, mais elles peuvent faire aussi, elles le font beaucoup de croissance externe, notamment en direction du monde de la tech. Et là, donc, c'est ce que retrace ce graphique, ce sont les investissements des grands groupes français dans la tech, et on voit notamment que Total arrive en deuxième position. Et alors, en effet, Total est très investi dans sa mutation. Alors, il ne faut pas s'y tromper. Il y a effectivement, dans son plan stratégique à l'horizon 2030, il y a effectivement un plan où Total s'engage auprès de ses investisseurs, de ses actionnaires, à investir massivement dans les énergies renouvelables. C'est déjà le cas. Mais il ne faut pas oublier aussi que le gaz va prendre encore de l'importance dans son mix énergétique. Et surtout aussi que le pétrole la production de pétrole devrait se stabiliser d'ici 2030, mais stabiliser la production de pétrole, ça veut dire réaliser des investissements pour au minimum stabiliser et entretenir son outil de production. Et puis on l'a vu en Irak, récemment, Total a investi plusieurs milliards en Irak parce qu'il y a encore des projets pétroliers qui sont intéressants pour lui. Mais malgré tout, Total va tenter une semi-reconversion de son mix énergétique. Dernière slide. Ce sont les investissements dans la tech. Alors ça va un petit peu au-delà de la transition verte. Là, ce sont toutes les... je vais peut-être laisser la parole à Olivier, peut-être sur cette graphique. Ce sont les acquisitions... Ce sont les levées de fonds. Oui, notez qu'en France, vous allez voir un vivier du côté de la tech, des levées de fonds, beaucoup de petites structures qui montent. Bon, qui sont labellisés. Est-ce qu'il y a un mouvement de fond? Est-ce qu'on crée des capacités? J'en suis moins sûr. Bon, moi, ce que je retiens de l'exposé de Philippe, c'est que nous avons, et c'est ce que je disais en introduction, plusieurs montants ont été signalés lors de la précédente session. On met des milliards, oui, effectivement, mais est-ce que l'on met en face ce que l'on pense l'appareil productif qui vient s'arrimer à ces milliards? Peut-être pas, et j'en profite du coup pour passer la parole à Alexandre Mirlier-Courtois qui est directeur de la prévision à Xerfi, et qui justement, je crois que l'épreuve de vérité, bien c'est de regarder, on fait des plans de relance. Où va cet argent? Qui bénéficie aujourd'hui de cette transformation
ou de cette tentative de bifurcation du système productif français. Donc, on va avoir une autre série de slides. Déjà, bonjour. Alors, moi, je vais être le vilain petit canard parce que je vais vous dire qu'on est nul. On est nul et on creuse nos déficits à fur et à mesure qu'on veut aller vers cette direction de la transition écologique. On est réellement dans une dépendance écologique. Alors, autour de 4K, l'éolien, la construction bois, photovoltaïque, voiture électrique, à chaque fois avec une problématique différente, mais on aboutit au même résultat, c'est quand on développe ces filières, on développe en même temps notre déficit commercial. Déficit commercial qu'il faut bien financer à un moment ou à un autre. Alors Philippe l'a dit, on est bon dans les services. On est bon dans les services, mais ça ne suffit pas d'être bon dans les services. Donc on va regarder maintenant l'éolien. L'éolien, c'est l'échelon manquant. Alors l'éolien, vous l'avez ici, alors je suis comme Philippe, je suis un peu myope, donc je vais avoir du mal à vous lire les chiffres, mais là, je connais la tendance. Donc si vous regardez 2018-2028, on est sur une multiplication par deux de la puissance. Alors on va être, pardon, ce sont des objectifs, on devrait être sur une multiplication par deux de la puissance installée dans l'éolien, donc c'est quelque chose d'assez considérable. Et regardez la tendance par rapport, mais il y a simplement même pas une vingtaine d'années, c'est quand même quelque chose d'assez formidable, d'assez conséquent quand même. C'est une vraie volonté de développer l'éolien. Sur alors, la production d'électricité, on a la puissance installée, la puissance électrique, là on est également sur le même type d'évolution. Vous voyez que le coefficient par rapport à 2018-2028, on est à plus de 2, ça veut dire qu'à peu près 12% de la production d'électricité en France devrait provenir de l'éolien d'ici 2028. Donc c'est quand même un bond fantastique, c'est vraiment une pression qui est faite, c'est une véritable volonté, et il y a des efforts qui sont développés, on en a parlé, il y a des plans, il y a des milliards d'euros qui sont injectés. Très bien, ça c'est le cadre, c'est la volonté d'aller plus loin. Maintenant, on va regarder la chaîne de valeur de la production éolienne. Alors, il faut se focaliser sur les points qui sont en bleu foncé tout en haut, ne serait-ce que parce que comme ça masque les coquilles qui sont en dessous. Donc, il y a une première coquille, je vous dis tout de suite, sous le point 1 qui est assemblage. Ce n'est pas un assemblage, c'est un mauvais copier-coller, c'est pilotage. Et je crois que vous avez deux fois la fonction logistique quelque part. Mais donc, bon, vous oubliez ça. Mais vous voyez, on découpe un petit peu la chaîne de valeur de la filière éolienne. Et il y a quand même le chaînon numéro 2 qui est intéressant. C'est celui de la production des éoliennes. Qui produit quoi? Qui fabrique les éoliennes? Donc c'est ça, ce maillon. Et ça, c'est un petit peu le maillon manquant de notre industrie. Donc encore une fois, Philippe l'a dit, on est très bon dans l'assemblage, on est bon en amont, on est bon en aval, mais il y a quand même un filon important qui est celui de la fabrication. Et là, on va voir comment on est présent, comment les acteurs français se présentent. Donc il y a le premier élément d'information, c'est de regarder simplement le niveau d'emploi dans ces différents maillons. On voit que l'emploi du maillon 2, ce n'est pas le plus important. Alors, ça peut être lié à la productivité, ça peut être lié à des facteurs structurels, peut-être. Mais bon, ce n'est pas beaucoup d'emplois quand même dans cette branche d'activité. Et surtout, c'est celle qui progresse le moins. Donc, on se dit, tiens, là, il y a un petit signal. Il y a un petit hiatus quand même de ce côté-là. Après, il faut aller, on creuse toujours un petit peu plus. On va regarder qui intervient sur ce métier-là. Eh bien, vous voyez. Donc d'un côté, vous avez le côté gauche, ce sont les constructeurs. Vous voyez la présence des groupes français. Il n'y en a pas. Aucun groupe français. Donc on a un groupe danois qui est dominant. Alors ce qui ne veut pas dire que ces entreprises-là n'ont pas de site de production en France. Mais généralement, ça se borne, on va dire, à une action commerciale. Il y a quand même de la production, mais c'est relativement limité. Et surtout, on ne maîtrise pas la filière. C'est-à-dire que les savoir-faire ne sont pas français. Et le premier savoir-faire, vous voyez, c'est on l'a vu tout à l'heure, c'est le premier opérateur mondial, c'est un Danois. Bon, on a la partie composant. Là, c'est un peu plus mixé. Bon, il y a quand même des groupes français. Vous avez Schneider, vous avez les chantiers de l'Atlantique, il y a quand même quelques groupes français. Mais ça pèse finalement pas si lourd que ça. Et si vous voyez, vous faites le décompte, vous avez 18 grands groupes, les Français sont minoritaires. Il n'y a pas beaucoup de filières où ça se présente comme ça. Donc après, on va plus loin. On regarde ce qui se passe du côté du commerce extérieur. Alors juste un petit point, c'est qu'évidemment toutes ces filières-là sont mal ou très mal suivies. Donc on a du mal à avoir une vision globale. Donc à chaque fois, on est obligé d'aller regarder ligne par ligne. Là, vous avez une ligne spécifique sur l'éolien, la plus importante. Et vous voyez qu'on est déficitaire. On est déficitaire, c'est-à-dire on développe l'éolien, on développe le déficit extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité de créer une filière, mais ça va être compliqué. Et vous voyez qui sont nos principaux importateurs. Vous retrouvez les Danois, les Chinois, alors pas par le même biais, mais il y a quand même de la Chine. Et vous avez l'Allemagne. Donc, on développe l'éolien, conséquence, on développe le déficit commercial. On n'a pas cette filière qui est activée. Premier point.
Maintenant, on va passer sur le bois. Le bois, parce qu'actuellement, on veut développer le bois. Le bois, c'est génial. Le bois, c'est génial. Alors, vous avez ici la filière bois. Hein, donc, en amont, évidemment, tout ce qui est production de bois. On a, après, on passe à ceux qui bâtissent les maisons en bois. Bon, vous voyez, les sémistes, hein, ce sont les constructeurs de maisons individuelles. Vous avez les promoteurs, vous avez toute la filière qui est ainsi dessinée. Donc, on développe le bois. Le bois, pourquoi développer le bois? Parce que c'est génial. Tout simplement génial, le bois. En termes de durabilité, en termes de... Alors, je vais me retourner parce que je vois que dalle. Donc, en termes de fabrication, d'isolation thermique, bah, vous avez tout le descriptif. En fait, c'est un des meilleurs matériaux qui puisse exister, le bois. Et la France, c'est la troisième forêt européenne. Donc, on a tout. On a tout, on dit, on est vraiment sur un atout, là, de la France. On veut développer la construction en bois, et certainement à juste titre. En plus, le bois, évidemment, absorbe du CO2 lors de... Enfin, les forêts absorbent du CO2. Bon, c'est quand, évidemment, les forêts brûlent, là, c'est un petit peu différent. Mais bon, on est sur quelque chose de... Bah, d'écologiquement, on va dire au top dans la construction. Beaucoup plus que l'acier, beaucoup plus que le béton. Oui, mais quand on regarde les résultats, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose. Là, vous avez les différentes parts de marché, alors suivant différents segments, et vous voyez que ça se développe pas beaucoup. Notamment, vous avez tout en bas sur le logement, on n'est pas sur des parts de marché qui évoluent beaucoup. Alors qu'il y a une véritable volonté, encore une fois, de développer le bois, de développer la filière bois. Et quand on regarde un petit peu le chiffre d'affaires de la construction en bois, on se dit oui, bon, alors, l'année 2020 est atypique, hein, évidemment, pour plein de raisons que vous connaissez, mais on n'est pas sur non plus des évolutions qui sont très fortes du côté du bois, et on est sur un petit rythme de progression de la filière bois. Alors pourquoi ? Ben, il y a deux écueils. Il y a deux écueils. C'est d'ailleurs la première, c'est on est sur un domaine forestier qui est sous-exploité. Alors, le problème, c'est qu'on a, on a des feuillus quand il faudrait des résineux. Bon. Peut-être, ça peut se changer. On a surtout une myriade, des milliers de petits propriétaires forestiers. On a peu de scieries, donc on a un outil de production en amont qui est relativement réduit. Donc il ne peut pas ou mal s'adapter à la construction massive. Et puis vous avez aussi un outil de production en dessous. Il n'y a pas de massification de la construction en bois. Tant que ça reste de l'artisanat, alors, il y a maintenant de plus en plus... Ça commence à venir. On a des grands groupes qui s'intéressent à la filière bois, mais tant que ce n'est pas standardisé, on a des problèmes de coût de production, donc de coût final pour le client. Ça coûte cher. Donc, on est là sur cette opposition, et quand on regarde techniquement, des approvisionnements, les séries françaises, c'est pas la majorité des appros. Vous avez les séries étrangères et vous avez les réseaux de distribution spécialisés, mais qui s'approvisionnent massivement par des importations. Donc, on importe du bois. On importe massivement du bois. Donc, le bénéfice écologique disparaît un tout petit peu, parce qu'il y a quand même le coût du transport. Donc, grosso modo, on exporte du bois brut et on importe des produits transformés. Et vous avez ici le résultat en termes de commerce extérieur. Donc, on développe la filière bois. Oui, certes. Mais on creuse également notre déficit extérieur. Donc là, il y a un problème, encore une fois, sur un maillon de la filière qui se situe là, plutôt en amont. Alexandre, je te propose d'aller directement au graphique de déséquilibre extérieur, parce que là, on n'aura pas le temps de développer les deux derniers. Non, mais les deux derniers, parce que je pense que ça va aller un petit peu toujours dans le même sens. Ouais, alors, sur le photovoltaïque, je passe vite. Sur le photovoltaïque, là, c'est l'exemple d'une bulle qu'on a créée. Donc, une bulle qu'on a créée, vous voyez l'évolution que ça a pu... sur les maisons, on va dire, qui est reliée au réseau. On a débranché, si je peux dire, les aides et on a divisé le prix de l'électricité. Évidemment, ça fait des fortes variations. Impossible de créer une filière autour de ça. On a une volonté. Et vous voyez ici le creusement du déficit commercial du côté du photovoltaïque. Et 2011, c'est le point le plus bas. Évidemment, c'est le moment où il y avait une explosion, une bulle qui s'était créée autour du photovoltaïque. Et je vais aller rapidement maintenant sur la voiture électrique. Donc il y a une volonté, évidemment, puis il y a un marché qui est en train de se créer. En France, du côté demande, finalement, on n'est pas si mal que ça. On a un parc électrique qui grossit, et qui grossit relativement plus rapidement que les autres. Mais simplement, quand on regarde où sont les constructeurs français, on est très loin. Bon, Philippe vous l'a dit. Donc vous avez Tesla et Volkswagen qui sont largement en tête. Et vous avez PSA et Renault
bah, qui sont plutôt relégués. Alors, encore une fois, Philippe l'a évoqué, on a des développements à venir du côté notamment des batteries. Mais on est très très loin. Et si je regarde le déficit commercial sur le segment des batteries, évidemment, on creuse et on va creuser jusqu'au moment peut-être où ces entreprises vont pouvoir s'installer sur le territoire français. Mais, encore une fois, le message principal à faire passer, c'est que plus on développe nos industries vertes, actuellement, plus on développe notre écologie dépendance vis-à-vis des autres pays. Merci beaucoup. Alors, Anaïs Voigelis, vous êtes chercheuse associée, alors je vais faire de manière très courte, à l'Université de Haute-Alsace, vous compléterez parce que je me perds un petit peu dans les subtilités des titres. Mais bon, le cœur du propos, c'est celui-là. Ou la question peut-être la plus simple qui serait à vous poser, c'est que faire ? C'est-à-dire, ça veut dire quoi aborder cette transformation aujourd'hui du point de vue de la politique industrielle ? Là, j'allais dire, on a des symptômes, ils étaient un petit peu mono-orientés, mais ils surlignent quelque chose. Enfin, moi, à mes yeux, c'est mon interprétation, mais c'est peut-être pas la vôtre. C'est que si l'on doit croire à cette transformation, les investisseurs devraient y croire et on devrait le voir davantage. C'est-à-dire, je vois bien qu'on puisse voter des budgets. Aujourd'hui, on est dans une période où les levées de fonds sont assez faciles et qu'on puisse avoir des banques climat assez bien armées, etc. Mais j'ai une grosse inquiétude quand je vois cette inertie de la base productive et de la réalité productive par rapport à cette transformation qui est absolument nécessaire. Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre et d'avoir un propos assez cohérent, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire sur l'industrie. Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans une révélation du besoin de se réindustrialiser. Il faut savoir qu'avant mars 2020, la question industrielle n'était plus vraiment sur le devant de la scène. Alors, il y a eu différents événements. Hein. Il y a eu les états généraux de l'industrie en 2009, il y a eu le rapport Louis Gallois. Donc, on avait un retour d'un intérêt pour la question industrielle. Mais il n'y avait pas de volonté forte de réindustrialiser le pays. Et depuis quelques mois, tout le monde en parle. Et vous voyez, chaque candidat à l'élection présidentielle commence à présenter sa feuille de route pour 2022 en termes de réindustrialisation. Sauf que l'industrie, elle ne peut pas se satisfaire des injonctions politiques. Parce que déjà, le temps industriel n'est pas le temps politique. L'industrie, notamment quand on investit dans des sites de production, sous-entend des investissements sur le temps long, sous-entend aussi des investissements dans les infrastructures, et je reviendrai peut-être dessus, mais là on a parlé d'hydrogène, on a parlé du véhicule électrique. Tout ça, c'est des mobilités qui vont accroître nos besoins en électricité. Donc si on n'a pas de stratégie d'infrastructure en cohérence pour produire l'électricité dont on a besoin, que ce soit chez nous, chez nos voisins, pour acheminer cette électricité, cet hydrogène vers les sites de production pour stocker, alors on est toujours dans l'injonction. Et pour avoir une politique, une stratégie industrielle, moi je parle de stratégie industrielle parce qu'on a toujours eu des politiques industrielles hein, depuis la fin des années 70 où ça commence à s'écraser en termes d'emplois industriels, où on voit les effets de la désindustrialisation, mais on a perdu une stratégie industrielle et on n'a plus d'ambition industrielle. C'est-à-dire qu'à chaque changement de majorité, on change nos ambitions industrielles. On n'a plus rien d'inscrit dans le temps, on ne planifie plus. Alors le mot planification, je ne l'aime pas trop parce que la planification, ça renvoie toujours à l'époque Gollombe-Popinolienne, on était dans un cadre totalement différent, on n'avait pas l'Union européenne, la mondialisation n'était pas ce qu'elle était, l'urgence climatique n'était même pas un sujet. Donc on a besoin de se doter des outils qui nous permettent de nous positionner sur le temps long et de s'assurer qu'on atteint nos objectifs en dehors du temps politique. Après, il faut définir pourquoi on veut une industrie. L'industrie, elle répond à un projet de société. Et selon le projet société qu'on se donne, on ne va pas développer les mêmes activités industrielles. Ensuite, il faut définir pourquoi, à quel défunt on met une industrie en France. Est-ce que c'est pour créer de l'emploi ? Il est vrai que l'industrie, elle a une capacité d'entraînement de l'emploi qu'aucun autre secteur a. On considère qu'un emploi indirect dans l'industrie crée à 3 à 4 emplois indirects, soit par les sous-traitants qui vont servir le site, soit par les collectivités qui vont se développer autour du site industriel. Donc elle a un véritable effet d'entraînement. Mais créer de l'emploi industriel ne va pas forcément répondre à un enjeu dont tout le monde parle depuis mars 2020, c'est la question de la souveraineté.
Quand je mets des unités d'assemblage de batteries, j'insiste bien, hein, parce qu'on parle de batterie électrique, batterie pour véhicules électriques en France, on est bien sur de l'activité d'assemblage. On n'est pas vraiment sur une activité de production en tant que telle, et je reviendrai peut-être sur la chaîne de valeur par la suite. Si on a une activité d'assemblage, on crée de l'emploi industriel, mais on ne répond pas forcément à notre objectif de souveraineté. On a aussi un enjeu de création de valeur, parce que tout l'enjeu de créer de l'activité industrielle en France, c'est de créer de la valeur aussi pour financer notre modèle social et surtout financer nos transitions à venir. Et la dernière chose, c'est réindustrialiser peut-être pour répondre à des enjeux environnementaux. Et les projets ne seront pas forcément les mêmes. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, il faut raisonner en termes de chaîne de valeur. Si je prends la question de la batterie électrique, la chaîne de valeur, elle est extrêmement intéressante. Si j'ai 6 grandes étapes, j'ai l'extraction des matières premières. Extraction des matières premières, aucune entreprise européenne n'est leader. Si je prends le graphite, 2 des 3 plus grosses entreprises mondiales sont chinoises. Si je prends le cobalt, j'ai une entreprise suisse, mais j'ai une entreprise chinoise, j'ai une entreprise brésilienne. Et je peux le faire sur toutes les matières premières critiques comme ça. Et j'insiste bien, je parle de matières premières critiques, je ne parle pas de terres rares, parce que les terres rares ne sont pas forcément rares. Donc on a un peu un imbu de langage là-dessus qui peut embrouiller le public. La deuxième chose, je prends le raffinage des matières premières. Raffinage des matières premières, c'est des entreprises principalement chinoises. Donc je me rends bien compte que dans tous ces sujets où je veux devenir le leader de l'hydrogène, le leader de ci, le leader de ça, mais j'ai un problème existentiel à la base, je ne maîtrise pas l'approvisionnement et le raffinage parce que je n'ai pas d'entreprise européenne et donc je n'ai pas aussi la main sur les politiques environnementales qui sont associées, sur les mesures sociales, etc. Troisième chose, la production de composants de cellules. Vous avez différents composants, je vais prendre les cathodes ou les cathodes, les anodes, principalement des entreprises chinoises. Cathode, 40% production en Chine. Je prends la fabrication des cellules, je vais arriver dans le même constat et je peux faire le même constat sur le bloc batterie. Tout ça pour dire que l'enjeu dans la stratégie industrielle, c'est de regarder quels vont être les points clés des entreprises françaises et européennes dans la chaîne de valeur. On parle beaucoup des semi-conducteurs. On a des entreprises en France et en Europe qui maîtrisent des points clés de la chaîne de valeur dans les semi-conducteurs. Une bonne stratégie industrielle, de mon point de vue, mais ça peut être débattu, serait de partir de nos points forts et de remonter en amont, en aval, en partenariat avec les autres acteurs européens, parce qu'ils maîtrisent aussi des points forts, pour maîtriser de mieux en mieux cette chaîne de valeur. Par ailleurs, il faut aussi regarder les marchés qu'on sert. Tout le monde parle de semi-conducteurs. Le semi-conducteur, ce que je mets dans mon téléphone, ce n'est pas la même chose que ce que je mets dans un véhicule. On sait que les marchés, les entreprises européennes peuvent plutôt servir nos marchés classiques, à savoir le véhicule électrique, le véhicule, pas forcément électrique, le véhicule de manière générale. Est-ce qu'il ne faut pas partir de là et ensuite essayer de rattraper notre retard technologique là-dessus, plutôt que de se dire je vais faire venir une entreprise européenne, une entreprise étrangère, par exemple Intel, je vais mettre des milliards, en sachant que je ne serai jamais en maîtrise technologique si ce n'est pas moi qui fais la R&D, si ce n'est pas moi qui fais l'innovation. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le semi-conducteur, c'est l'une des industries les plus capitalistiques du monde. On ne parle pas en millions sur les sites industriels, on parle vraiment en milliards, avec un taux de renouvellement assez fort. Je pourrais avoir le même raisonnement sur l'hydrogène. L'hydrogène, on vient d'en parler ce matin dans le plan d'investissement annoncé par Emmanuel Macron, on veut devenir le leader de l'hydrogène. Mais ça veut dire quoi être le leader de l'hydrogène quand 95% de l'hydrogène français est produit à partir d'énergies fossiles? C'est-à-dire que ne serait-ce que pour transformer l'hydrogène produit à partir d'énergies fossiles, ça va nous demander des capacités électriques assez conséquentes. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec l'hydrogène? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'hydrogène, je suis plutôt favorable. Mais à destination de quelles applications? Le véhicule individuel à hydrogène n'a pas forcément de sens. Un positionnement qui a du sens, c'est décarboner tout ce qu'on ne peut pas décarboner autrement. Donc les industries lourdes, l'acier. Je précise au passage que tous les gens qui pensent qu'on n'a plus besoin d'industries lourdes en France se mettent le doigt... Non, c'est l'œil dans le doigt. Enfin bref, vous avez compris l'expression. Mais il y a une forme d'illusion de penser que l'industrie du futur, elle se passe de toutes ces industries historiques. On aura toujours besoin de produire de l'acier, que ce soit en Asie ou en France, mais on aura toujours besoin de ces industries lourdes pour viser ces industries qu'on appelle du futur. Donc il y a un enjeu de décarbonation et là l'hydrogène peut apporter une réponse à condition que l'hydrogène soit vert, qu'on décarbone bien toutes les étapes de la production. Donc c'est aussi les composants qu'on va utiliser dans nos usines. L'autre pan qui peut être intéressant, c'est la décarbonation des mobilités lourdes. Et là on va parler plutôt de ce qui va être les camions ou le maritime.
pour l'avion, on sait déjà que c'est très compliqué en raison des rapports. Pour un, l'équivalent de 1 en moteur classique, je passe à 3 en hydrogène. Donc ça oblige à repenser les avions, ça a un impact sur la charge utile. Et c'est tout ça qu'il faut penser à la fois. Ce n'est pas à l'État de penser à tout, mais quand on veut avoir une stratégie industrielle, il faut bien avoir conscience de tous ces détails qui montrent que la feuille de route pour réindustrialiser est plus complexe que ce qu'on dit. Par ailleurs, et ça a déjà été souligné à plusieurs reprises, au-delà des discours, il va falloir assumer les coûts. Parce que toutes ces transformations vont avoir un coût, à la fois un coût pour les industriels en termes de décarbonation et de réduction des externalités négatives, de repenser les supply chains, ça va avoir un coût pour le consommateur, et notamment sur les questions d'énergie. On a vu qu'on avait un pic du coût de l'énergie, mais on n'en est qu'au début. Et ça va obliger à des sacrifices. Si on veut vraiment atteindre nos objectifs environnementaux, alors on va devoir quand même renoncer à certaines choses. Et ça, je ne crois pas qu'on ait la maturité là-dessus. Je commence à voir des feuilles de route qui sortent sur la transformation de l'économie. On est sur des plus, sur des moins. Or, le schéma de transformation va être beaucoup plus douloureux que ça, avec des effets sectoriels assez importants. Et ce qu'on oublie souvent, et je peux m'attribuer la chose, même si je considère que les géographes sont un peu différents des autres, et ça c'est la petite pique pour tous ceux qui ne sont pas géographes, c'est qu'on joue aussi, enfin derrière, c'est pas on joue, c'est qu'il y a la vie de nos concitoyens. Et on ne peut pas se satisfaire de schémas mathématiques. Il y a des gens qui vont souffrir de tous nos choix. Et on commence à le voir déjà avec les fonderies dans le véhicule électrique. Et on va le voir dans bien d'autres secteurs. Et ça fait aussi partie de la stratégie industrielle. Anticiper les conversions et les conséquences sur nos choix individuels et collectifs. Donc voilà, en conclusion, pour ne pas monopoliser la parole, parce que je crois que j'ai déjà été trop longue, c'est décortiquer les chaînes de valeur et avoir une vision globale. Très bien. Pierre Pascal n'est pas là pour m'indiquer de quel temps on dispose pour dialoguer un tout petit peu avec la salle. J'ai déjà... Ah, c'est plus que je n'espérais. J'ai déjà une question qui parvient sur WhatsApp, qui est au fond... Mais d'où vient ce découplage entre les moyens qui sont mis aujourd'hui, les moyens financiers et cette espèce et l'inertie sur le territoire français ? Comment ça se fait que tout ça n'embraye pas davantage ? Qui veut tenter d'y répondre ? Une petite réponse. Voilà. Les investissements en France dans les énergies renouvelables, ils sont quand même considérables. C'est 6, 7, 8 milliards d'euros par an. Je l'ai montré, il y a quand même un outil de production. Alors oui, c'est sur les services, mais il y a des parcs éoliens qui sont construits. Il y a des centrales photovoltaïques qui se construisent. Il y a des sites de valorisation du biogaz qui se construisent. Il n'y a pas rien du tout. Il y a quand même plusieurs milliards chaque année qui sont mis sur la table pour financer les énergies renouvelables. Pas que de l'argent public, mais aussi, j'espère l'avoir démontré, par les multinationales, par des industriels, par des financiers. Donc il y a un outil de production, mais il est serviciel, il n'est pas industriel en France, en tout cas pas pour le moment. Je ne sais pas si on peut dire si c'est un point fort ou si c'est un point faible de la France, c'est comme ça. C'est le modèle de la France depuis 30 ans, qui est un modèle qui est très focalisé sur les services. Et ce que l'on voit au niveau macroéconomique, on le voit encore dans cette transition verte. Mais donc voilà, il y a quand même quelque chose, il y a des investissements, on le voit aussi dans la tech d'ailleurs, on le voit bien, ces techs qui se développent, les levées de fonds, on est sur des levées de fonds records cette année, en 2021. Les techs françaises, les green tech, les agri-tech, attirent les investisseurs de tous bords, des industriels, des purs financiers. Donc il y a quand même de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Mais effectivement, au regard des enjeux, tu le disais Olivier en entrée, au regard des enjeux, effectivement, on est encore très loin de prendre le virage de la transition, oui. Anaïs, vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce qu'on a un défaut de pilotage, en fait ? Parce que moi, ce qui me frappe depuis toujours, et peut-être que la salle peut réagir là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose de presque paradoxal au fait que nous parlions industrie, c'est tellement éloigné du discours sur la transition écologique, donc je peux comprendre que ça puisse désarçonner. Quelque part, on parle d'une chose matérielle, parfois lourde,
pour en relation avec l'écologie. Donc je pense que ça peut déclencher quelque chose de paradoxal. Mais moi, ce qui me frappe, c'est justement, c'est je ne vois pas aujourd'hui un vrai désir d'aborder cette transition à la racine. Est-ce qu'il y a un défaut de pilotage, au fond? Je vais revenir à ce qui a été dit au début de la matinée, c'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il ne nous manque pas des outils de planification qui mettent en chair et en os nos intentions? Il y a forcément un découplage à partir du moment où la politique environnementale et les objectifs environnementaux de la France sont pensés d'un côté et la stratégie industrielle est pensée de l'autre. Je pense qu'il y a un besoin de reconnecter les deux, c'est-à-dire que, encore une fois, l'industrie, elle est aussi là, au service de nos ambitions environnementales. Alors après, il y a sûrement un débat collectif à faire sur quelles sont nos ambitions environnementales. Deuxième chose, c'est qu'à mesure qu'on s'est désindustrialisé, on a aussi perdu dans les administrations sûrement une culture industrielle, une acculturation à ce qu'est l'industrie, comment elle fonctionne, quels sont ses besoins, notamment en termes de financement. Et la dernière chose qu'on peut peut-être dire là-dessus, enfin, il y a eu le désintérêt. Alors, revenir à de la planification, oui, sûrement. Mais il faut vraiment qu'on se donne... il faut qu'on définisse ce qu'on entend par planification. Moi, je ne pense pas que la planification comme celle qu'on a eue... Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire en partant des grands problèmes, c'est-à-dire voilà les 5 grands problèmes qu'on doit résoudre et voilà comment on va y arriver. Et donc, ça intégrera de fait beaucoup plus d'autres sujets que la simple politique industrielle, puisque la politique industrielle, on la décorrèle aussi de la politique de formation, des questions de compétences, etc. Oui, on peut prendre une ou deux questions dans la salle, je vous en prie. Oui. C'est pour le monsieur qui a été très négatif sur la situation française. Et moi, j'aime bien ça, parce qu'on a beaucoup de gens qui disent on va faire ceci, on va faire cela. Concrètement, il n'y a pas grand-chose en général. Le solaire, vous n'avez pas eu le temps d'en parler. Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus? D'où on importe, la Chine, l'Allemagne, etc. Est-ce que le bilan globalement est très négatif? C'est-à-dire qu'on importe beaucoup d'équipements solaires. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous n'avez pas eu le temps de dire tout à l'heure? C'est de ma faute. Non, mais désolé, Alexandre. Sur le solaire, on produit quasiment rien, pas dire rien. Et on importe, beaucoup d'Allemagne et de Chine, et beaucoup plus maintenant de Chine. Bon, également, l'industrie photovoltaïque en Allemagne a subi quand même les à-coups de la Chine. Donc, on n'a pas de filière. Mais difficile de construire une filière quand, en fait, j'essaie de le monter juste à travers un graphique, on passe de 70 000 installations, enfin, raccordements, à même pas 20 000, sous le fait d'incitations qui ont disparu ou d'une réglementation qui évolue. Donc, non, sur le solaire. Alors, Philippe l'a dit, on va installer du solaire. On va faire de la... Je ne sais plus le terme que tu as employé, des... Bon, je n'ai pas le terme technique, mais bon. Mais ça, on va dire que le matériau en dur, ce ne sera pas français. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait... Mais alors, pour rebondir, ce qui a été dit, notamment par Anaïs, c'est... Oui, il faudrait de l'industrie, notamment de l'industrie lourde. Mais quand un site industriel doit se développer quelque part, c'est compliqué pour les industriels. Il y a tout de suite des oppositions. On veut bien l'industrie, mais pas à côté de chez soi. Donc, discuter avec des industriels. Ils veulent des extensions de leur site de production ou créer des sites de production, ils se heurtent toujours au même problème. Mais je crois que cette question de l'instabilité, moi, je crois que c'est important parce que les économistes, dans leur modèle théorique, ont tendance quand même à survaloriser les signaux prix, la taxe, etc., comme si tout marchait de manière mécanique. Là, on a un exemple où la très forte instabilité des incitations, quelque part, n'encourage pas à faire des investissements. Il faut avoir une certaine sécurité, une perspective assurée. Et c'est là que ces réglementations qui sont détestées par les économistes sont parfois des éléments de clarification aussi de l'horizon. C'est-à-dire dire à telle date, on abandonne tel type de motorisation ou à telle date, où on met en place un plan qui est régulier et qui ne répond pas à des bulles, comme ça a été le cas dans le photovoltaïque, c'est aussi ce qui permet de monter en puissance. Oui. Qu'on ne voyait pas nous-mêmes. Ça, il faut demander à Pierre Pascal, mais je pense qu'ils seront disponibles. Oui.
On va arrêter. S'il vous plaît. On arrête, c'est la dernière question et on arrête là. Ah oui, mais je crois qu'on me demande d'interrompre la séance. Donc, non, mais je... Ah, pardon, je ne voyais pas. Oui, je vous Bonjour. En prie. J'ai une question par rapport à l'excédent commercial. Par rapport aux concurrents américains, chinois ou russes, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir une politique commerciale industrielle à l'échelon européen ? Évidemment, oui. Évidemment, oui. Oui, parce que, enfin, je réponds très rapidement. On parle du territoire français, c'est très artificiel. Ce qu'on veut, c'est sûr, des marchés qui portent la transformation, parce que c'est pas juste prendre des marchés, c'est créer des effets d'échelle, c'est créer la masse critique pour de l'innovation. On l'a dit, elle est incrémentale dans chaque silo. Il va falloir améliorer les rendements, etc. Donc oui, bien sûr que ce sont des partenariats à échelle européenne, ou pas d'ailleurs, pas nécessairement qu'à échelle européenne, mais en tous les cas, parce que le sujet climatique impose une solidarité mondiale, de toute façon. Hein, j'allais dire, c'est pas l'Europe qui va se sauver contre le monde, de toute façon. Bien, je pense que c'est fini. Je ne vois plus les bras s'agiter, mais je ne vais pas en profiter de Pierre-Pascal Boulanger. Donc je vous remercie tous pour votre attention et bonne continuation sur les autres sessions. Merci.